Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de Micropolis. Donc, c'est le nouveau jeu de Bruno Catala, de Charles Chevalier et aux illustrations Camille Chaussy. Donc, c'est sorti chez Matago à partir de 8 ans pour 2 à 6 joueurs et des parties d'environ 30 minutes. Voilà pour vous montrer donc du coup l'arrière de la boîte et je vous fais une présentation rapide du jeu. On va y retrouver en fait du coup des tuiles comme ceci. On va retrouver ces petits emplacements. En fait, donc on va gérer, en fait, on va devoir construire une fourmilière. On va avoir du coup aussi dans le jeu des fourmis rouges, comme ceci. Et on va ensuite avoir aussi un jeton premier joueur et ici deux petits jetons architectes. Je vais vous expliquer. On débute la partie avec chacun donc, ce petit emplacement pour notre fourmilière, pour lancer et construire le début de notre fourmilière avec 5 petites fourmis rouges. On va désigner un premier joueur et le premier joueur va donc tout simplement prendre une tuile parmi les 7 présents dans la rivière. Donc il y aura ici en fait du coup 7 tuiles au début d'un tour. Et voilà, donc ici je vais mettre ici ma tuile centrale pour ma fourmilière. Et je vais devoir choisir l'une des tuiles, donc qui va de gauche à droite. Si je vais prendre cette tuile-là, bah cette tuile-là, elle est gratuite. Donc je vais pouvoir la prendre et tout simplement et la placer dans ma fourmilière, qui sera ma première tuile. Si je souhaite prendre celle-ci, elle va me coûter en fait. Donc je vais poser du coup l'une de mes fourmis rouges ici pour pouvoir prendre cette tuile-là, et ainsi de suite. Donc si je veux prendre la dernière, là je ne pourrais pas, puisque de toute façon on n'en a que 5 au départ, mais si je veux acheter celle-là, donc je mettrai 1, 2, 3, 4 fourmis pour pouvoir prendre cette tuile-là. Voilà le principe tout simplement, donc ça sera ensuite au joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'en fait qu'on a terminé un tour. S'il y a moins de tuiles que le nombre de joueurs, à ce moment-là le tour est terminé. On complétera en fait la rivière à cette tuile ici, en remettant des nouvelles tuiles pour arriver à cette tuile. Et on va aussi donc du coup redistribuer le jeton premier joueur. Pour cela, on regardera celui qui a le plus de fourmis rouges en fait tout simplement dans sa fourmilière sur ce plateau-là. Celui qui en a le plus devient le nouveau premier joueur. En cas d'égalité, donc à ce moment-là, le premier joueur qui était déjà en place choisira à qui veut remettre ce jeton-là. Donc s'il était lui-même premier joueur, il pourra choisir s'il veut en fait oui ou non de pouvoir se remettre premier joueur. Voilà, donc ça c'est pour un tour de jeu. Et puis donc la partie va durer tout simplement. On va tous mettre en tout une, si on regarde bien ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuiles pour constituer notre fourmilière au complet. Qu'est-ce qui va se passer? Les fourmilières, on va avoir des fourmilières ouvrières et en fait, on va avoir aussi des petites spécificités pour certaines fourmis dans le jeu. Donc, pour vous montrer un petit peu les différentes fourmis, je vais prendre par exemple ici cette fourmi-là. Donc, ça va être la nurse. La nurse, tout simplement, va pouvoir créer, en fait, faire des naissances. Donc, si je mets celle-là dans ma fourmilière, tout simplement ici, je vais lancer du coup une naissance. Donc je vais prendre de la réserve générale, une petite fourmi rouge que je vais venir rajouter ici tout simplement. On va ensuite avoir, pour vous montrer, là ici on a encore une nouvelle fois une nurse, on va ensuite avoir ce genre de petit emplacement ici, donc ça va être des casernes. Donc quand j'ai ces symboles de caserne, je vais, si je le souhaite, prendre des fourmis rouges que j'ai encore disponibles pour les mettre dans la caserne. La seule chose à respecter, c'est soit je la complète. Comme là par exemple, soit j'en mets deux, soit j'en mets pas du tout. Ce n'est pas obligatoire. Ça rapportera des points en fin de partie. Par contre, le fait de les mettre là-dedans, du coup, dans la garnison, ça vous perdez en fait tout simplement des fourmis pour pouvoir acheter des autres tuiles quand c'est à votre tour de jeu. Et puis aussi pour pouvoir éventuellement avoir le choix d'être le premier joueur. Donc ça, c'est pour l'une des autres actions. Ça va être celle-ci. On va ensuite avoir en fait la sentinelle. Donc la sentinelle va être importante, va être intéressante justement quand on a justement des garnisons. Parce qu'avec la sentinelle, on va pouvoir réarranger ses casernes et ses armées comme on le souhaite. Donc là, on va pouvoir à ce moment-là reprendre des armées qu'on avait placées pour récupérer des pions dans des fourmis rouges. Ou à l'inverse, on a attendu en début de partie, on a gardé ses fourmis rouges. Puis à la fin, on prend cette tuile-là avec une sentinelle, et puis là on va aller placer toutes ces fourmis dans les casernes pour gagner des points de victoire en fin de partie. Donc ça c'est pour la sentinelle. On va ensuite avoir dans le jeu
Cette tuile-là, donc là c'est le sergent recruteur, ben, tout simplement, on va les prendre au joueur à qui appartient, au joueur qui a le jeton premier joueur, on va aller lui piquer tout simplement une fourmi rouge dans sa fourmilière et qu'on va qu'on simplement mettre dans, pareil, dans, de son côté-là, dans cette petite zone centrale. Donc, bien sûr, on ne peut pas les prendre, les tuiles, dans la caserne de l'adversaire, hein. Il faut qu'il en ait disponible sur cette plaquette centrale. Donc ça, c'est pour le sergent recruteur. Enfin, on va avoir encore deux autres. On va y trouver, hop, les dernières tuiles. Ici, les reines. Les reines, en fait, elles vont vous donner aussi des points de victoire en fin de partie. Donc en fait, quand on va construire sa fourmilière, on va tout simplement créer des galeries. Et donc en fait, une reine, il faut qu'il n'y ait qu'une seule reine dans la galerie. Vous pouvez avoir plusieurs galeries, mais il faut que vous puissiez mettre en fait une seule reine par galerie pour pouvoir gagner des points de victoire en fin de partie. Donc ça c'est pour la reine. Enfin, va avoir encore dedans l'architecte que je vais vous montrer. Voilà. L'architecte, ben, tout simplement, quand vous posez cette tuile-là dans votre fourmilière, vous allez pouvoir prendre un jeton architecte. Le jeton architecte va vous permettre, dans la rivière, d'acheter n'importe quelle tuile gratuitement. Donc, s'il y en a une à 6 ou 7 qui était assez loin, que vous ne pouvez pas payer, à ce moment-là, avec celle-là, vous pouvez pouvoir aller la prendre sans devoir payer. Vous redéfaussez, vous remettez ce jeton au milieu dans la réserve et vous allez pouvoir prendre votre tuile gratuitement. Donc voilà pour les petites spécificités qu'on va avoir. Donc en tout, il y a 6 spécialistes avec les casernes. Et enfin, dernière chose aussi, on va y trouver aussi des fruits dans le jeu. Tout un certain nombre de fruits. Donc il y a des fruits qui sont plus rares que d'autres. La cerise, là, pour celle-là, c'est une cannelle plus, il y en a 6. On va avoir le citron, on va avoir du raisin, on va avoir des mûres, de la figue et autres. Et donc on a automatiquement, par exemple, la figue, il n'y en a que 2 dans le jeu. Donc ça veut dire qu'elle sera plus difficile à avoir. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en fin de partie, on va regarder dans chaque galerie la collection de fruits différents que vous allez avoir. Ça va être des points de victoire que je vais vous expliquer juste après. Il y a aussi le cadeau. Le cadeau, lui, tout simplement, un fruit joker de votre choix. Décompte en fin de partie. On va prendre ce bloc-notes pour pouvoir répertorier les points. Sur cette première zone, ici, on va prendre un point de victoire pour chaque fourmi présente dans votre fourmilière, peu importe qu'elle soit spécialiste ou tout simplement ouvrière. Donc là, on va répertorier. Ensuite, on va gagner 5 points de victoire sur la galerie où votre galerie où il y a le plus de fourmis. Donc vous allez regarder votre galerie la plus grande où il y a le plus de fourmis, pas la plus grande, mais celle qui présente le plus de fourmis. Celui qui en a le plus prendra donc du coup 5 points de victoire. Ensuite, on va décompter dans l'ensemble de vos galeries les différents fruits que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez faire plusieurs galeries différentes. Si par exemple ici j'ai 3 fruits dans une galerie, je vais marquer 10 points de victoire. Derrière, j'ai une deuxième galerie qui a 2 fruits, ça me fera 5 points de victoire supplémentaires. Ou j'ai fait une très grande galerie avec que des fruits différents, je peux gagner jusqu'à 25 points. Donc vous pouvez avoir, vous pouvez décompter vraiment plusieurs galeries. Hein, donc il y a plusieurs stratégies possibles, soit en faire une très grande, soit en faire des plusieurs plus petites. En sachant qu'il y a des fruits qui sont assez rares et gagner un certain nombre de points de victoire avec les fruits. On va voir ensuite la reine. Donc la reine, je vous en ai un petit peu parlé avant dans la vidéo. On va regarder dans l'ensemble des galeries où vous avez une reine. Donc vous pouvez avoir plusieurs galeries avec des reines. Ce qu'il faut surtout, c'est que vous n'ayez qu'une seule reine par galerie. Et à ce moment-là, elle va vous apporter un point de victoire par tuile. Donc là, si je prends un exemple ici, la reine qui est là, elle est présente, elle est toute seule dans la galerie et il y a une, deux, trois tuiles. Donc ça va me donner 3 points de victoire. On va ensuite aussi, pour le joueur qui a le jeton premier joueur, va prendre aussi du coup 5 points de victoire. Enfin, on va prendre aussi sur vos garnisons, donc dans votre fourmilière, les garnisons que vous aurez remplies vous feront gagner 4 de ce côté-là, vous feront gagner 2, 4, 7 ou 10 points de victoire suivant tout simplement le nombre d'unités dans les galeries. Et voilà, et donc celui qui aura le plus de points de victoire l'emporte en cas d'égalité. Donc ça va être le joueur qui a la plus grande armée qui l'emporte. En cas de nouvelle égalité, la victoire sera partagée. Donc voilà, c'était Micropolis. Donc c'est un jeu plutôt facile d'accès, familial, joueur occasionnel. 6 joueurs en 30 minutes, on les tient facilement. Pour une asso aussi en fin de soirée, ça marche plutôt bien puisque les règles sont faciles à expliquer. On les explique en 5 minutes et puis on joue dans la foulée. Et puis, donc un jeu à 6 joueurs en 30 minutes, c'est quand même assez rare. Voilà, c'était Micropolis, une nouveauté chez Matago de Bruno Catala et Charles Chevalier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas une fois de plus à mettre des likes, à mettre des commentaires, à partager mes vidéos et bien sûr de vous abonner. À ciao, bye bye.